Bonjour les amis, c'est Frenek Farmer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ma toute première vidéo sur ma chaîne. Je vous en avais parlé sur la plupart de mes lives. Donc une vidéo sur un top 5 des maps qu'il faut absolument télécharger sur PS4, des maps sur lesquelles j'ai joué. Et donc on se retrouve tout de suite après l'intro. Donc les amis, on se retrouve maintenant pour ce fameux classement que je vous avais dit. 5 maps que j'ai classées. Donc la cinquième, The Hill of Souvenir. Donc je voudrais dire sur cette map que c'est une petite map qui doit contenir du petit matériel et qui a des petits champs. Donc ce serait plutôt une map pour débutants qui commence sur Farming Simulator, je la conseille. Et donc, vous avez un petit corps de ferme à l'ancienne. Vous avez un petit village. Et logiquement, sur cette map, vous avez deux petits points de vente. Donc, celle-ci, elle est classée numéro 5. Voilà. Donc maintenant les amis, on passe au top 4. Donc en top 4, j'ai mis Michan. Donc c'est une map qui est à la base était sur PC et qui s'appelait Belgique Profonde. Donc elle a été revue sur PS4 pour le Farming Simulator 2019. Et donc la ferme est à l'extérieur du village. Et donc par rapport à ça, il y a pas mal de grands champs autour. On peut faire matériel plutôt moyen et assez moderne. La plupart des stabules et des animaux sont basés sur cette même ferme. Et vous avez, je pense, 3 ou 4 points de vente. C'est une map plutôt pas mal. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas jouer en multi dessus parce qu'il n'y a qu'une seule ferme. Donc maintenant les amis, on arrive au podium. Donc sur le podium, en troisième position, j'ai décidé de mettre All Stream Farm. Donc All Stream Farm, c'est une map mythique qui était déjà sur PC depuis un bon bout de temps et qui est arrivée sur PS4 sur le FS17. Et donc elle s'est largement améliorée sur le FS19. Il y a beaucoup d'agrandissements qui ont été faits et donc on peut faire beaucoup de créatifs sur cette map. On peut aussi faire du petit matériel comme du moyen matériel parce que les champs sont pas très grands. Elle a été nettement améliorée au niveau des détails. Vous avez le village qui est vraiment magnifique, des affiches publicitaires sur les murs, des petits chemins de terre. Et au niveau du créatif, sur la carte, il y a un endroit complètement nu qui a été mis à disposition des joueurs, justement pour pouvoir faire du créatif. Donc rien que pour ça, cette map-là, je lui ai mis la troisième place. Donc là les amis, à la deuxième place du podium, on a Campagne of France. Donc Campagne of France sur FS19, c'est vraiment mon coup de cœur, mais je ne l'ai pas mis en première position. En première position, on verra ça plus tard. Donc Campagne of France, bien sûr en ce moment, comme vous pouvez le constater, je fais beaucoup de live dessus. Pour moi, c'est un grand coup de cœur sur PS4 parce que c'est l'unique map française sur PS4. Donc elle est très détaillée. La petite poste, la petite mairie, des petites corps de ferme à la française, les panneaux. Les panneaux à l'entrée des villes, les champs, pas trop grands, pas trop petits. On peut faire du plus ou moins petit matériel. Donc c'est plutôt pas mal. Cette map, elle me tient vraiment à cœur parce que sur PS4, ça fait plusieurs années qu'on attend
d'avoir une map comme ça. Donc là, rien que pour ça, on va remercier Black Sheep. Alors donc là les amis, avant de passer à la première place, on va passer aux mentions honorables. Donc les mentions honorables, ce sont deux maps exactement que j'aurais pu mettre dans ce top 5. Mais comme je n'avais pas cette place, je les ai mis en mentions honorables. Donc on va commencer par Step and Back. Donc Step and Back, c'est aussi une map qu'on avait sur PC qui a été revisitée pour PS4. Donc ça c'est aussi un grand coup de cœur. Et c'est surtout aussi une map pour le multi. Déjà à la base, quand vous arrivez sur la map, vous n'avez pas de matériel. Vous pouvez l'acheter directement à la concession et vous achetez votre ferme. Il y a différents corps de ferme sur la carte. Il y a énormément de champs. Je pense que c'est une carte où on peut au moins jouer entre 4 et 6 personnes en multi. Donc cette map-là, elle est vraiment exceptionnelle. Et donc c'est pour ça on l'a mis en mention honorable. Donc là, pour la deuxième mention honorable, je vais essayer de bien le prononcer, c'est Dechternov. Apparemment, c'est une map allemande, une map un petit peu à l'ancienne. On a l'impression un petit peu de rentrer dans le corps de ferme Goldstream, c'est tout en briques rouges. Et derrière, vous avez, à l'intérieur du corps de ferme, vous avez tous les animaux de la ferme qui sont réunis dans le même corps de ferme. Donc après, bon, vous avez des champs plutôt moyens, vous pouvez faire du petit matériel, du grand matériel. Et aussi un petit village, un petit centre-ville bien sympathique avec des petites maisons à droite, à gauche. Franchement, cette map elle est plutôt sympa pour jouer aussi en solo. Voilà. Donc ça y est maintenant les amis, on passe à la première place. Je pense déjà que la plupart de ceux qui jouent sur PS4 auront le même coup de cœur que moi. The Valley Hold the Farm. Donc encore une map signée Black Sheep qui a été franchement revisitée à mort. Il y a des grandes villes à droite à gauche, elle a vraiment été plus agrandie. On peut créer des petits corps de ferme aussi un peu partout dans les petits villages. Il y a pas mal de points de vente, les champs sont grands. Là par contre, vous pouvez faire du grand matériel. Le corps de ferme est plutôt à l'ancienne, mais vous pouvez faire un corps de ferme à l'ancienne avec du matériel récent. C'est ça qui est bien sur cette map-là. Donc pour ça, je l'ai mis en première place. Vous verrez, le corps de ferme n'a pas été beaucoup plus amélioré que dans le 17. C'est plus les alentours. Le centre-ville qui a été agrandi. Il y a d'autres villages qui ont été un peu écartés un petit peu plus sur la carte. Au niveau des champs, c'est quasiment la même chose. Par contre, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que sur la ferme à cochons, pour ceux qui connaissent The Valley Hold the Farm sur le 17, il n'y avait pas de maison. Et là, ils ont mis un emplacement libre justement pour pouvoir faire un petit corps de ferme avec un élevage de cochons. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et puis, bon, comme c'est une map sur laquelle j'ai énormément joué sur le 17, on l'a tellement entendu sur FS19 que je ne pouvais pas faire autrement que de la mettre en première place. Donc voilà. Donc maintenant les amis, j'espère que ce top 5 vous a plu. On se retrouve pour un prochain live, d'ici peu de temps je pense. Et je voudrais vous remercier de vous être abonné à la chaîne pour tous ceux qui sont présents le soir sur mes lives. Et n'hésitez pas pour cette vidéo à mettre des petits pouces bleus parce que c'est du travail et ça va faire super plaisir.